Budget, son budget qui totalisait, j'en ai tout connaître, quoi, la presse répétée, l'ampile article, qui totalisait 55 millions de dollars. Et question de capable d'anticiper, il y a des gens qui ont dit que tu as révisé à la baisse. C'est une option. Comme ça, tout le monde a dit possibilité pour le réviser à la hausse sans l'autre option. Mais ce n'est pas le cas. Nous quittons prévision en janvier. Ce qui est important pour nous, c'est faire une bonne utilisation de ressources financières que l'État mettait à notre disposition pour nous faire en référence à des procédures. Je dis tout de suite, budget 55 millions, ça, c'est pas un budget qui chita nos comptes de banque, CEPA, et que nous-mêmes, nous allons émettre chèque, faire ça, nous voulons avec, non. Système mécanisme de financement que nous entendons avec le ministère des Finances sont mécanismes qui sont basés sur des requêtes. Ça veut dire à chaque fois nos besoins, nous voyons la documentation qu'il faut et puis on virer le montant que nous avons capable besoin. Parce que au même temps, nous sommes capables de voir au niveau de l'État, au niveau de l'exécutif, là, il y a un pile d'efforts qui a fait pour mobiliser les ressources pour que l'élection soit réalisée le 9 octobre. Dans le fichier, nous allons maintenant, nous allons attirer l'attention nous déjà. Si le budget a nous dit 55 millions, mais si nous avons parlé de combien l'argent l'État a besoin effectivement mobiliser pour le faire deux tours d'élection, nous avons dit l'équivalent de 48 millions. Pour qui ça? Parce que dans 55 millions que nous faisons prévision pour deux tours scrutin, nous gagnons une balance qui est sous basket fund, qui est pratiquement 6 561 000. D'après chiffre exact dans le document. Et là, nous retirons le signe, ça nous les recherches de financement. On a cherché quoi, ou qu'on pourrait chercher quoi pour 48, parce que basket là, là, et basket là, c'est pour nous lier, même si son mécanisme, il y a un petit échange qui a fait sous lui, mais c'est quoi pour nous lier dans l'élection précédente que nous hérité et nous a supposé déduire dans 55 là, qui pour nous l'équivalent de 48. Qui rubrique nous joignons dans le budget ça? Son budget d'abord, il faut me clarifier. Son budget, c'est nous-mêmes au niveau de CEPA qui préparons. Contrairement peut-être à ça qu'on fait dans le passé, nous sommes en plein dans tout processus là. Même gens, c'est nous-mêmes tout préparé calendrier. C'est vrai, nous avons bénéficié d'un appui technique, nous avons fait estimation par rapport à l'expérience de 5-10 ans en arrière. Au monde, nous avons impliqué dans la réflexion, mais c'est nous qui faisons et son budget qui est validé par le Conseil. Et qui fait avec direction exécutive là et que je n'ai aujourd'hui à présenter la presse. Qui rubrique nos jeunes là-dedans? N'a pas carrément dans le budget, ça ne parle pas trop de détails, elle est capable toute journée. Hein? N'a pas rapidement, c'est pour un budget qui gagne un paquet d'achats, équipement, matériel roulant, etc. Nous pas pour ça là-dedans. Première rubrique budgétaire nos jeunes là, qui est les structures organisationnelles CEP renforcées. C'est côté nous faire prévision pour nous renforcer direction logistique, non, parce que nous connaissons logistique électorale là. Son pièce maîtresse dans la réussite élection, c'est côté nous faire des prévisions tout pour nous renforcer direction registre électoral noir qui sont coquines direction qui ont un rôle clé à jouer surtout dans l'impression liste électorale etc. N'a pas un budget ça tout parce que nous connais nous bral garder avec un pile curiosité positive bien sûr pas quoi c'est pour interpréter mal mais c'est normal pour nous quand ça qu'on donne. N'a pas parfois gain dans poste ça capable gagner une prévision pour consultant m'a dit nous tout de suite. Ce n'est pas des consultants, même si nous avons un budget à CEP capable de prendre le genre de pipito. Il y a des exigences en matière de procédure qui nous disent faut avoir un thème de référence, faut dire qui ça va faire, il faut avoir tout processus de négociation pour la consultation. Ça veut dire une procédure extrêmement, pas qu'à dire compliquée, mais que vous êtes obligé de suivre avant de l'utiliser sous la rubrique consultant dans le budget. Deuxième rubrique budgétaire, c'est matériel électoral. À qui est disponible. C'est une rubrique côté que nous avons besoin de prévisions pour achat matériel sensible et non sensible. Et la donne, c'est prévision de fonds que nous faisons pour achat bulletin, etc. Tout notre document va faire besoin dans le cas d'élection. Rubrique ça, nous pas besoin de détails. Pour une simple raison, c'est pour des raisons en termes de procédure marché public. Parce que si déjà nous avons besoin de toute estimation et au coût unité que nous prévoyons, etc., c'est capable. Et biaiser éventuellement le processus marché public. Là, c'est celle rubrique vraiment nous avons des détails, mais nous avons besoin de tout détail. L'autre troisième rubrique qui gagne, c'est la rubrique qui parlait de liste électorale mise à jour. Côté que la dernière, nous avons honoraire pour opérateurs, matériel nous avons pour acheter. Côté que nous avons mis en place centre d'appel.
côté que nous gagnons payroll, capable dire opérateur, c'est là dans tout n'a payé mise en place système SMS. Nous connaissons qui toujours arrive, qui toujours existe pour bailler électeur information de matin continue jusqu'au 9. Nous avons l'autre rubrique tout c'est côté n'a payé tout personnel vacataire parce que nous connaissons nous dit élection c'est un pile monde. C'est un pile ma bureau de vote, c'est un pile superviseur, c'est orienteur, observateur, ça veut dire un pile monde vraiment qui est impliqué dans le processus là. N'a pas que liste montant que nous prévoit pour personnel vacataire, agent de sécurité électorale et tout ça. On l'autre rubrique que nous gagnons tout, c'est pour centre de tabulation. Et centre de tabulation sont côté au niveau de conseil là que vraiment nous devons vraiment prendre en pile disposition pour te renforcer cette tabulation ça pour te améliorer conditions de travail opérateur de saisie avocat tout le monde gandal parce que conseil là te pensé dans janvier cette tabulation journée aujourd'hui son côté nous mérite renforcer technologiquement et nous mérite renforcer tout en termes de ressources humaines. Parce que yon objectif nous c'est bailler résultat le plus tôt que possible dans un délai pas à dépasser et 8 jours parce que là on gagne des résultats pour bailler cap prend 2 semaines 3 semaines 4 semaines il laisse espace à discussion réflexion tergiversation et nous connaît dans pays ça rumeur courir vite parfois nous oser opiner vraiment sur des choses qui en réalité parfois pas ça. On l'autre rubrique nous gagne là-dedans tout c'est campagne d'éducation et d'information, ça c'est toute dimension campagne sensibilisation CEP à bras le faire avec partenaires tout qui va l'impliquer dans activité ça. Et puis nous gagnons on ligne assistance technique côté que nous ca fait appel à des consultants tant nationaux qu'internationaux n'a pour aller c'est pour un montant qui est très élevé. Et puis finalement nous gagnons frais de gestion hein. Frais de gestion on a pour son montant vraiment qui n'est pas en pile du tout, qui est l'équivalent de pratiquement 607 000 pour toute période électorale là. Et pour qui ça, question ça, nous avons dit, parce que là, c'était avant le budget ça a géré dans sa totalité, on est capable de dire par un film international, tu as gagné des frais de gestion qui allaient jusqu'à 8% qui te comprend sous lui. Je ne veux pas dire, c'est l'État haïtien avec CEP, avec le ministère économique qui a géré le budget, minimum d'argent qui t'a supposé passer à travers le film international, là, c'est 3% du frais de gestion qui a pris sur lui. C'est ça qui fait que 600 000 là, très très bas par rapport à ce que tu as fait dit, dans le passé. Et bon, au niveau que, et comment dire, basket fund, là, balance basket fund, là, nous sommes capables de poser la question comment l'allouer, comment l'imputer. Je suis capable de dire que déjà, le basket fond dans l'État haïtien a déjà bloqué 61% de la donne. Et la différence, là, c'est le budget qui a utilisé. Ça veut dire fonds qui ont gagné avant le budget ça que nous avons discuté journée aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a 2 mois qui ont écoulé, côté que nous pouvons vraiment faire une utilisation effective et réelle. Ça va le montrer nous quand même. C'est pour 55 millions, j'en peux être un peu mon anticipé, qui va le passer tout de suite et qui va le dépenser tout de suite. Parce qu'il y a des procédures qui vont guider ça. Et m'a dit nous tout, de façon claire, comme on dit au début, ce qui intéresse nous, c'est la rationalisation des dépenses, c'est le respect des procédures et faire ça qui est nécessaire pour l'élection en fait. Ça n'a pas dans le langage anglais, il a parlé de burn rate, qui est le taux d'utilisation du budget. Au niveau de CEPA, m'a dit nous tout de suite, utiliser budget, pourcentage d'utilisation budget, pas un indicateur de performance pour nous. En ce sens, l'un d'arriver dans un moment pour nous dire 95% utilisé, mais pour nous sentir fiers, je ne sais pas si c'est ça qui est important. Ça qui est important, l'on utilise 95% de 55 millions, il faut capable de dire, population et tout le monde qui est en train sortez favelle. Et je pense que c'est ça qui est important. D'où, je pense qu'à un moment de la durée, nous allons chita tout avec le ministère de l'économie. Ça, c'est un souhait que je fais, parce que je ne vais pas engager le ministère de l'économie dans ce que je dis. Mais bonne gouvernance oblige, à un moment de la durée, au même titre que nous avons budget, qui c'est des prévisions, à un moment de la durée, il faut un rapport qui pour partager tout, qui pour bailler comment l'utilisation du budget a fait, côté pour nous comparer prévision et réalisation. Et je pense que c'est toute démarche ça, que nous avons entreprendre toujours dans un souci de transparence, de bonne gouvernance et je suis capable de dire tout, partage documents ça, journée aujourd'hui, c'est en première.
m'pa vle di première fois parce que moi c'est pas une phrase que mon toi remet mais nous sommes capables de dire tout dans les 28 ans et 29 ans que question conseil électoral a passé dans pays ici m'pa quoi nous jamais té wè un budget des opérations électorales nous même penser que nous mettel à la disposition du public nous là tous on va continuer pour nous continuer à répondre à des questions de clarification que nous capable bien sous budget et comme moi dit exécution budget pas pour exécution en solo de CEPA sont mises en œuvre cap fait main en main avec ministère économie finance cap bien comptable public cap bien pour l'intervenu et m'a même besoin dit nous dans la finalité fonds ça va le décaisser a fait l'objet tout d'audit parce que CEPA des comptes là tout pour l'auditer tout fonds n'a pas dit trésor public là son budget qui va gagner pour louer avec le budget de fonctionnement du CEP. C'est deux réalités différentes, c'est deux budgets différents.